Bonjour. Alors aujourd'hui aussi, je voudrais vous raconter une histoire simple, une histoire de la vie de tous les jours, mais pour raconter, encore une fois, la force qu'un rave peut avoir à l'égard de ses élèves et comment chaque mot est important. Et c'était un rôle que mon père jouait au quotidien. Et il était ce rave qui donnait des conseils, des recommandations. Et souvent, j'ai entendu des gens me raconter qu'ils avaient décidé d'écouter, de suivre ce que mon père leur avait conseillé ou indiqué. Et à chaque fois, on a pu découvrir que ces conseils étaient éclairés. Et les gens se félicitaient toujours, non seulement de les avoir sollicités, mais de les avoir suivis. L'histoire que je vais raconter m'a été racontée tout à fait dernièrement par un monsieur qui était très très proche de mon père. Et chaque fois que je lui dis, il me raconte avec beaucoup d'émotion leur relation très particulière, de laquelle je peux d'ailleurs témoigner. Et il me dit toujours, l'une des plus grandes chances de ma vie, ça a été de rencontrer ton papa. Peu importe comment ils se sont rencontrés, ils se sont donc rapprochés. Et un jour, mon père lui a dit, écoute, viens avec moi, je vais en vacances à la montagne. Donc, il participait à un séjour organisé par l'un de mes frères. Et ce monsieur, qui s'appelle René, décide de venir, lui aussi, participer à ce séjour. Et il me raconte que c'était des vacances soi-disant, puisque le matin, il y avait la prière, juste après le petit déjeuner, il y avait un cours de Torah, après mon père, il les obligeait à faire des marches dans la montagne, aller faire des randonnées, etc. Il rentrait le soir, dès qu'il s'était changé, mincha, arvit, un cours de Torah, bref, un programme bien intense. Et voilà qu'un jour, ils sont en train de faire une randonnée dans la montagne, et ils discutent tous les deux, et puis tout d'un coup, René s'arrête. Non, René, c'est un monsieur d'un certain âge, c'est pas un petit jeune homme. Et il s'arrête et il sort un paquet de cigarettes de sa poche. Il sort une cigarette de ce paquet et il s'apprête à l'allumer. Et mon père lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Il dit, rien, je sors une cigarette pour fumer. En plus, il me dit, on était en plein kiff, dans la montagne, en vacances. Donc il s'apprêtait à savourer sa cigarette. Et mon père lui dit, écoute René, il faut que tu arrêtes de fumer. Alors il lui dit, il lui dit, René, est-ce que tu veux me faire plaisir ? Ah, il dit, bien sûr, si je peux vous faire plaisir, je voudrais bien. Il lui dit, ok, mais attention, si je te demande quelque chose pour me faire plaisir, tu me promets de le faire. Il dit, oui, je vais le faire. Mais mon père, il sentait bien qu'il ne pouvait pas s'imaginer ce qu'il allait lui demander. C'était tellement gros. Il lui dit, voilà, René, j'aimerais que tu t'arrêtes de fumer. Alors il dit, bon, d'accord, je vais réfléchir. Et non, il fait, non, je ne veux pas que tu réfléchisses, je veux que tu t'arrêtes. Maintenant. Tout de suite. Il dit quoi, tout de suite ? Il dit oui. Alors, il dit, bon, si vous me le demandez, d'accord. Il dit, ok, donne-moi ton paquet de cigarettes. Et sur place, ils ont jeté le paquet de cigarettes. Enfin, pas dans la montagne, hein, évidemment. Mais ils ont jeté le paquet de cigarettes. Il l'a pris, en tout cas. Et ce monsieur, sur place, décide de ne plus jamais fumer. Il rentre chez lui. Enfin, il rentre à l'hôtel. Et il va voir sa femme. Il dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Voilà, le rave, il a dit... Il m'a demandé d'arrêter de fumer, donc j'ai accepté ce que le rave m'a demandé. Alors sa femme me dit, quoi, moi ça fait 30 ans que je te demande d'arrêter de fumer, tu veux pas ? Et le rave, il m'a demandé d'arrêter de fumer, je peux pas lui refuser. Et donc voilà ce monsieur, qui a aujourd'hui 80 ans, qui me raconte, non seulement qu'il a arrêté de fumer ce jour-là, qu'il n'a plus jamais retouché à la moindre cigarette, mais le plus extraordinaire, c'est qu'il m'a dit... Ça ne m'a jamais manqué. Le jour même, j'ai arrêté net. Et comme je savais que je le faisais pour faire plaisir à ton père, jamais, à aucun moment, je n'ai été tenté de reprendre et je n'ai eu envie de reprendre la cigarette. Je trouve que c'est magnifique de respecter ce rave et justement cette relation tellement spéciale que mon père était capable d'entretenir avec les gens et encore une fois, avec des conséquences aussi positives que celles qui a permis à cet homme d'arrêter de fumer. Et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.